Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Un voisin d'enfer pour un deuxième épisode. Du coup, on va reprendre à peu près là où on en était. Le seul truc, voilà, c'est qu'en fait, je vais continuer la saison 1, là où j'en étais. Et la saison 2, je vais la reprendre du début, même si j'avais fait le dernier épisode, puisque c'était vraiment pour montrer une maison avancée. Donc, on va refaire. Et je pense que je passerai directement après à la saison 3. Je vais pas refaire l'épisode que j'ai déjà fait. Comme ça, bah, ça nous laisse pour cet épisode-là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça nous laisse, pardon, 9 épisodes. À voir si s'ils vont être longs ou pas. Mais si ça tient sur la vidéo, on fera tout ça. Du coup, saison 1, let's go. Indice, certains objets aident à contrarier la routine du voisin. Ok. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont commenté. Il y a eu pas mal de participation sur cette vidéo et c'est vrai que c'est vachement cool du coup, puisque vous étiez nombreux aussi à m'avoir donné la solution pour la petite énigme que je n'avais pas trouvée, à savoir les punaises. Je savais pas du tout où les mettre. Et vous m'avez tout simplement dit sur la chaise. Et effectivement, une fois qu'on me le dit, je me dis bah ouais, c'est basique. Je pense que c'est ça. Je l'ai pas testé, j'ai pas vérifié. Oh, il joue du piano, le mec. Genre, il joue du piano, quoi. What? Ah, il y a des gamins qui ont envoyé un ballon chez lui, vous avez vu? Ah ouais. Bref, du coup, je vous disais, ça me paraît logique ce que vous m'avez dit, donc je ne l'ai pas testé, mais je pense que vous aviez raison. Donc, bah merci, merci, GG à vous. Oh. Ok, il y a un sac ici, là, à aller choper, là, à droite, que j'avais pas vu. Où il va? Ok, donc sa routine au début, il joue du piano. Ensuite, il y a le ballon qui arrive chez lui. Du coup, il renvoie, il se met sur la fenêtre et il descend, il va sentir les fleurs. Donc ça, c'est la routine. Ah d'ailleurs, j'ai 8 tours à lui jouer. Ah ouais. J'ai 8 tours. Oh, regardez, donc ça, c'est une fausse balle. C'est une balle de bowling, lol. Du coup, faudra la changer parce que regardez. Il y shoot dedans en fait, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là il s'explose le pied, ça c'est très logique. Ça je pense que ça va pas être très très compliqué. Vu qu'il va s'exploser le pied, il va être obligé d'aller à la salle de bain. Donc à la salle de bain, je vais lui jouer un petit tour que je peux faire de suite, puisque normalement il va pas y aller. Il doit pas y aller sans, pour le moment, tant que je lui contrarie pas sa routine. Là il y a rien à prendre. Là, le savon. Oh, il m'a fait flipper de venir par là. Le savon, je peux le mettre au sol ici, du coup, ce sera d'autant plus drôle qu'il va, il va se ruiner pas mal. Donc là, ça fait un, deux trucs. En haut, qu'est-ce que je peux fouiller? En haut, il n'y a rien à fouiller là. Là-bas, là, il y a un truc là à prendre. C'est le porte-téléphone. Ok, let's go. Je vais y aller de suite. Et ensuite, il faudra que j'aille dans la cuisine au moment où il va descendre, sentir la fleur. Le piano, je peux rien faire. Ok, j'ai le téléphone. Hop. Je peux rien faire de toute façon ici, logiquement. Allez, vas-y, je vais examiner tout ça. Peut-être dans le frigo, peut-être le coup des œufs encore. Des œufs et du fromage puant. Du fromage puant. Ok, donc là, normalement, j'ai tout ce qu'il me faut, je pense. Donc, je vais redescendre. Il va jouer du piano, c'est cool. Hop. Voilà. Donc, je vais aller me planquer, je vais examiner un petit peu ce que j'ai maintenant. J'ai 8 tours à lui jouer. J'en ai déjà joué 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me fera 7 tours à lui jouer. Donc il y a un truc qui va pas aller. 7 tours. Je pense que j'ai oublié un truc du coup, quelque part. J'ai forcément oublié un truc. Ou alors il y a quelque chose. Il y a quelque chose que je peux faire entre temps. Il me reste combien? 3 minutes. C'est tendu. C'est tendu, hein. Ça commence déjà mal. Ça commence déjà un petit peu mal. Alors, je suis en train de vérifier, regardez, je passe la main partout pour vérifier que j'ai tout chopé. Et je pense bien que oui, malheureusement. Donc, il me manque un tour, hein. Il manque clairement un tour, hein. Ok, bon, c'est pas grave, je vais faire avec ce que j'ai et réfléchir au tour que je peux lui jouer. En bas, je vais pouvoir noter des trucs et tout, ok. Le truc puant, ça va être là. L'œuf, ça va être pour le frigo. C'est le téléphone, en fait. Je sais pas pourquoi c'est. Le téléphone peut être utilisé pour distraire le voisin. Ouais, mais pourquoi faire? Honnêtement, il y a juste le téléphone. Je sais pas trop où l'utiliser. Tout le reste, je vois à peu près, je pense. Genre, le feutre, ça va être avec le portrait. Le truc puant, ça va être avec sa plante. L'œuf, avec le micro-ondes. La boule, bah forcément la boule à la place de la balle.
Le téléphone, mais pourquoi le téléphone? Ça va l'appeler en fait, il va venir vers le bas si j'utilise le téléphone en gros. Mais pourquoi faire? Je vois pas à quoi ça me sert en fait de faire ça. Là, il faut que je monte par contre. Voilà. Il y a un truc à faire aussi avec son piano. Il y a un truc à faire avec le piano, les gars. Oh! C'est ça, alors qu'il manquait. Et est-ce que je peux faire un truc avec son téléphone en bas, genre si je l'appelle et tout? Ah, c'est parce qu'en fait, faut que j'attende que les enfants. Ok. Donc là, faut que j'attende d'avoir le ballon par contre pour le remplacer. Bon, en tout cas, en bas, je suis en train de l'achever, le pauvre. Ah, les œufs, par contre, je peux les mettre. Il y a plus beaucoup de temps, par contre, ça c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout parce que, en fait, ils vont pas envoyer la balle tant que l'autre ne sera pas sur le piano. Du coup, j'ai perdu beaucoup de temps au début. J'ai pas été très. Très efficace. 28 secondes, c'est très tendu. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait venir là. Et vas-y, vite. Wow, c'était tendu, c'était très tendu. Ah mince, du coup la plaie c'est là, ok. Je lui ai joué 6 tours. Franchement, la balle ça allait marcher. Ça allait marcher, on est d'accord. Donc la balle ça allait faire 7 en fait. Parce que là je lui ai pas encore joué, parce qu'il a pas encore shooté dedans. Donc ça aurait fait 7. Et le téléphone en fait, je sais pas, c'est juste un canular en fait qui allait l'énerver, je pense. Du coup ça allait être le 8ème. Je pense que j'avais les 8 du coup. Donc je vais en rester là avec. Ah non, je peux pas. What? Ah non, mais j'ai pas fait assez en fait. Il me fallait 70%, je les ai pas eu. Ah bah je dois le rejouer alors. J'allais dire, je vais rester avec ce niveau, mais non, je peux pas. J'ai pas fait 70. Ok. Bah je le refais. Je le refais en face, hein, du coup, y a pas de soucis. Je le refais en face, il faut juste que j'aille vite fait prendre les trucs. Hop. Donc, tac, tac, c'est bon, c'est pris. Là, ok. Le temps de monter. Nickel. Juste parfait là le timing. Le timing est bien nice. Ok. Au pire, il va perdre du temps avec ça. Normalement, je peux le faire en direct. Je peux le faire en direct. Je suis en train d'afficher un truc, mais tout à l'heure. Pourquoi il était à la salle de bain en fait? Je l'avais fait faire quoi? Il s'était fait mal avec. Mais non, parce que la balle, je l'ai fait derrière. Je me souviens plus. J'ai eu chaud. Ah, c'était pour nettoyer ça. Je sais plus du tout pourquoi. Ah, va falloir que je me dépêche, mais à mort. C'est tendu. Ouais, j'allais oublier le téléphone derrière ici. Hop. Voilà. Et là, normalement, j'ai pas mal enchaîné, je crois. Je crois que j'ai pas mal enchaîné. Il est encore un peu énervé qu'il va voir ça. Donc, j'ai eu un petit bonus. Ok. Et genre le téléphone, je l'appelle quand il remonte. Je l'appelle quand, c'est quoi le mieux? Non, il vaut mieux qu'il soit déjà en bas, comme ça j'enchaîne vraiment. Ah, c'est à cause de la plante qu'il avait été à gauche tout à l'heure, ok. C'est à cause de la plante. Dans la salle de bain.
Bon, du coup, il reste quoi? Il reste la partition, ça va être le 7ème tour. Et le coup de téléphone. Donc, je vais l'appeler maintenant. Ok, c'était juste ça en fait, le téléphone. Et donc là, il va aller au piano. 8ème tour, c'est fini. C'est fini, j'aurais pas eu que des bonus par contre. Donc, mais ça va, je suis déjà à plus de 70% largement. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est fini. Je vais être à. Ah ouais! 94 plus 3, nice. Non, franchement, c'est honorable, c'est honorable. Après, pour le deuxième essai, d'accord, mais bon, c'est quand même honorable. C'est quand même honorable. Allez, le dernier. Et franchement, attendez, ça fait déjà 10 minutes là la vidéo? Ah ouais, dingue. Je pensais vraiment que c'était plus rapide. Genre, j'étais en mode, vas-y, on va se finir toutes les saisons et tout. Peut-être qu'il y aura une troisième vidéo du coup là-dessus. Et d'ailleurs, à propos de ça, je pense que je vous ferai aussi des épisodes du coup sur, sur Un Voisin d'Enfer 2. Parce que vous voyez que c'est assez court, grosso modo, en 3 vidéos YouTube. Je pense qu'on aura fait, tout un jeu. Du coup, le numéro 2, je pense que ce sera à peu près la même chose. Donc en soi, en 6 vidéos, de toute manière, on se tape les deux jeux, c'est pas non plus trop long, quoi. Donc c'est possible que je les fasse. J'aime bien ce petit jeu, donc ouais. Faire plusieurs tours rapidement augmentera votre audimat. Oui, c'est d'accord. Ah oui, non, parce qu'attendez, il me faut combien? Ah ouais, il me faut 75% d'audimat. Et il y a 9 tours à jouer. J'ai pas fait gaffe au temps que j'avais. On va le voir, de toute façon, très rapidement. Mais ça va pas être évident. Allez, c'est parti. Alors, sa routine. Moi, je vais essayer de récupérer les objets en même temps que je croise. Il est en train de lire. Il est en train de lire. Il est en train de lire. Je fouille tout ce que je peux. Hop. Je passe ma souris un peu partout, histoire de voir ce que je peux faire où. Hein. Là, je peux en récupérer. Donc, il a lu. Il a mangé un de ses... C'est quoi? C'est des bonbons. À droite, il fait quoi? Il se prépare à manger. Non, ça va, il descend. Il descend, il va aller se laver. Donc, je peux fouiller les poubelles, je peux fouiller le frigo. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un œuf. L'œuf, ça va être au micro-ondes. La bouteille vide. Cette bouteille doit être remplie. Genre là-dedans. Il faut la remplir. Ah d'accord, il fait couler l'eau et il s'en bat. Mais du coup, pour remplir la bouteille, c'est peut-être ça en fait. Ouais, donc là je remplis la bouteille. Du coup là il y a de fortes chances qu'il redescende là, non? Genre là il mange. Non, il refait son gâteau même s'il a déjà fait chauffer, même s'il a déjà fait couler le bain. Ok. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 objets, c'est bon. Donc ça je remplace, l'œuf je vois. Ça c'est quoi? Soin pour les cheveux, ça va être dans le bain je pense. Le savon, tout ça, c'est pas nouveau. Le cirage noir, par contre, va falloir que je trouve. Cirage noir dégoûtant, ça dit tout. Je cherche pas ce que je dois salir avec ça. Si, d'accord. Juste, je passe là, il est en train de s'essuyer. Est-ce que... Ouais, je pense que ça doit marcher avec les serviettes. Mince. Bon, j'ai plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cirage, le feutre c'est en bas, la colle ça va être avec le bouquin tous les coups et le truc c'est pour remplacer. C'est pour remplacer avec les bonbons. Donc je pense que c'est ça. Je pense que c'est assez simple. On lui met ça là. La colle là. Ensuite, je viens ici. Je lui cale l'œuf. Ensuite, on remplace la bouteille. Voilà. Ensuite, le feutre là-dessus. Voilà. Ensuite,
Mince, monsieur. Le sa... Oh, 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 mince, mince, mince. Ah ouais, ok, à cause des bonbons. Ah ouais, ça lui fait venir au WC, ouais. Ah, j'ai failli me faire avoir, là, par contre. Parce que j'étais en train d'enchaîner et tout, tranquillou. Ok, il fait tout le tour, ça risque de me gêner. Il a deux tours là-haut qui risquent de l'embêter. Il a deux tours. Donc 1, 2, 3. J'ai 4 tours à lui faire par contre là-dedans. Donc on va mettre ça là. Faut que je me dépêche là. Faut que je me dépêche. Ça là. Ça là. Et là, j'ai pas pu finir. Waouh, et c'était tendu. C'était très tendu, donc là faut que je revienne à droite. Et là je vais pouvoir descendre et venir me planquer là pour lui faire le coup d'EVC à la fin. Avec le papier toilette. Et là normalement on est bien. Et regardez l'état de cette salle de bain, c'est juste magique cette salle de bain. Elle est complètement crade. Ah, c'est hallucinant. Toujours plus quoi. J'aime bien le mec qui se sent obligé de sortir du rideau, vous savez, histoire de se montrer vite fait avec les animations. Donc on est à 74%, c'est tout. Mais il manque un tour. Ah, il a pas encore vu micro-ondes. Ah ouais, bah ouais. Bah du coup, niveau bonus, c'est pas ouf, mais j'ai tout. Et par contre, il y a plus qu'une minute, donc... Ah, normalement, en une minute, on est assez large. Je pense qu'il va quand même voir les deux derniers tours. Enfin, large. Je m'entends par large, mais... Là, il fait son gâteau. Il va au WC. Enfin, il va à la salle de bain, du coup, avec les toilettes à côté. Et c'est bon. 40 secondes, c'est tendu. 35 secondes. Allez, dépêche-toi, bonhomme, là. Là, il faut que t'ailles t'énerver, là. Comprends-le. Comprends-le, moi, je suis pas là pour déconner, quoi. Il faut vraiment que je t'énerve. Et voilà. C'est le GG. C'est le GG, pas mal. Vous avez en quelques résultats d'Audimat vous avez eu quelques résultats d'Audimat exceptionnels cette saison et l'audience vous remet le prix de bronze des voisins. Mais lol. Alors, tout ça c'est fait. Tout ça c'est fait, donc on passe à la saison 2 maintenant. Il n'y a que 4 épisodes, c'est que ça va être plus tendu. Et la saison 3, j'ai hâte de voir toutes les pièces qu'il va y avoir. Parce que déjà, la fin de la saison 2, ça devenait un peu compliqué si vous vous souvenez. Du coup, la saison 3, ça va être pas mal. Donc, allons-y. Il va falloir faire tout ça. J'ai pas du tout lu, par contre, ce coup-ci. Il y a 7 tours, apparemment. J'ai pas lu l'indice. Et là, c'est quoi? On a une nouvelle pièce, là-haut. Dans une œuvre d'art, c'est... Ok. What? Qu'est-ce qui se passe, là? Et bien, en fait, je crois que c'est à chaque saison qu'on débloque des pièces. Genre là, on a débloqué là-haut et... Et là, ça a carrément changé. Avec le perroquet, hein, on a vu qu'il va falloir marcher tout doucement avec le perroquet. Donc, il était là-haut, il est en train de dessiner et tout. Là, il va prendre des photos, c'est cool, il est mignon. Pop, pop, pop. Donc là, je récupère. Fameux coup des punaises. Donc là, ce coup-ci, je le mettrai sur une chaise. Faut voir où est-ce qu'il va aller. Là, il va faire un petit peu de poterie, apparemment. Là, j'ai tout récup. Donc la poterie là-bas à droite. Alors, est-ce que je peux prendre quelque chose? Wow, on redescend. Ah, avec le perroquet, ça va être très chiant. Donc là, il tape là-dessus. Il retourne. Alors ça y est, là je crois qu'on est, sur sa routine. Attends, on va courir. Là, on y va doucement. Donc ça, c'est ça. Là, il va les peindre. Quoi ce piaf là? Qu'est-ce qu'il fait avec ce piaf? Là, il y a les poubelles. Hop. Et du coup, le frigo, j'ai plus accès là. Ça, j'ai pas d'accès.
Et là, je vais redescendre parce qu'il va arriver. La peau de banane, je pense que c'est assez évident. Le ciseau, ça va être pour couper le piaf là-bas. Le détachant, enlever l'étage de peinture. Ça va être pour son tableau. Les punaises, du coup, bah avec le tabouret à droite, pourquoi pas. La pince, ça peut être avec son appareil photo. Ah oui, carrément. Carrément, carrément. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 tours. J'en ai déjà joué un, ça fait 6. Ça fait 6 et en haut, il y a peut-être un objet. Ouais, il y a un objet à récupérer. C'est une bouteille. Non. Attendez. Ouvrir la bouteille, ouvrir la table de nuit. Donc il y a deux trucs à récupérer là-bas. Il faut que j'arrive à monter en fait. Donc le seul moment où je peux monter, c'est quand il arrive à droite. Et là, ah mais là il utilise sa bouteille en fait, attendez. Ouais, bah là il veut venir là, donc c'est mort. Ok. Je suis un peu à la traîne là. Je vous avouerai que ce niveau là, il faut un peu réfléchir quand même. Sinon je peux me cacher sous le lit, on est d'accord. On est d'accord. Alors, là je récupère ça. Ok. Cette poudre de magnésium allumée crée un flash puissant. Ça doit être directement là-dessus, voilà. Bah, tant que je suis là-haut, je vais rester pour lui jouer le tour ici au tableau et sur le pigeon. Voilà, 3 minutes 38, c'est quand même tendu, hein. C'est quand même tendu. Hop, il descend là. Allez, hop, on se dépêche. Le ciseau, ça va être pour toi. Je suis sûr et certain. Voilà, toi, tu t'en vas. Toi, attendez, j'ai pris mon truc. Ouais, c'est ça, c'est bien. Okay. La peau de banane, je pense que je la mets n'importe où et ça passe. Très bien. Là, il va en bas. Attendez, il va où là? Et quand je redescends en fait? Et c'était maintenant qu'il fallait que je redescende en fait. Non, au pire, quand il va aller à droite, c'est bon, ça va passer. Les punaises, c'est en bas, j'ai dit. Et mince, la pince, ça va pas. J'ai oublié la pince. Parce que la pince, je pensais que c'était avec l'appareil photo du coup, mais là, j'ai un doute. Non, la pince, ça doit être avec son moteur là plutôt. Non, c'est avec son moteur la pince. Mais... Ok. Donc là-bas, tout marche bien, hein. Il est un peu énervé et tout. Voilà, perfect. Alors, je suis désolé, on voit pas forcément toutes les animations du voisin parce que c'est vrai que je suis obligé de faire des choses pendant que. Qu'il voit mes tours tout simplement. Et qui s'énerve. Donc c'est un peu dommage, parce que c'est vrai que certaines animations sont quand même assez drôles et tout. Donc au possible, j'essaie de les suivre, mais quand vraiment il faut que je continue plutôt ce que je fais. En me disant ok, c'est fait, on a déjà la petite idée de ce que ça va faire, donc bon, voilà. Donc voilà, les fameuses punaises, vous aviez raison les amis. Il y a juste l'endroit qui va changer, je pense, d'un épisode à l'autre. Et ensuite, voilà. Ah oui, carrément, d'accord. D'accord, le mec qui arrive à trafiquer. Pour que ça fasse ça, je dis bravo, GG à lui. 91%, je pense que c'est win. J'espère. J'espère que c'est win. Ouais, ça me paraît win. Plus que deux épisodes, celui-ci, pas besoin de crème solaire à l'ombre. Ok, alors déjà on voit la petite image, à notre petite idée de ce qu'il va falloir faire. On a 7 minutes, 65% d'audimat pour 6 tours. Ok, je regardais la différence par rapport à tout à l'heure. Bon, ouais, ça me paraît faisable. Va falloir voir la routine qu'il aura. Ok. Alors, let's go. Moi, je récupère. Il va se brosser les dents. Ok, genre, il arrive, il commence, il veut se brosser les dents, quoi, lui. Attends, mec, tu peux pas commencer en bas, du coup? C'est pas grave. Là, on a donc la cafetière. On a la cafetière en plus, boire du café. De quoi? Regardez, boire du café. Ok, il va aller boire du café. Là, il passe par en bas. Donc, s'il avait les dents, il passe en bas, il va aller boire du café. Oh mince! Oh mince, oh mince, oh mince. J'avais oublié qu'il y avait le perroquet. Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, le voisin va y aller, c'est pas grave. Ça va juste lui faire perdre un petit peu de temps dans sa routine au pire. C'est pas gênant. Ça me dérange pas du tout en fait. Voilà, le temps qu'il aille boire son café, le mec. Oh, il y a la ruche là aussi. Parce que là, je vais faire nimp alors que j'ai pas réfléchi. On a quoi? Ah, le miel, voilà, donc ça c'est le miel avec ça, clairement. Si tour à jouer, je vais être à 5, donc il y a un truc que je n'ai pas récupéré. Je pense. La chaise pliante, j'ai rien à faire avec là de suite, c'est pas normal. C'est pas normal, j'ai oublié quelque chose, hein. J'ai pris la dent, ouais. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là. J'étais en train de bader, les amis. J'étais en train de bader, mais total. My bad. On oublie ce qui vient de se passer, d'accord? Ça reste entre nous. Ça reste entre nous. Et il me manquait quand même un objet, hein. Il me manquait un objet, il y a 6 tours. Mais j'ai pas été dans la salle de bain. Eh oui, bien sûr. Ah non, bah non, y a rien. Y a rien à la salle de bain non plus. Je peux rien récupérer, y a que des trucs à regarder. What? Pourquoi? Et de ce côté, y a un truc à récupérer? Hop. Non, y a rien. Et les punaises en bas! Eh oui! Je m'en fous, j'y vais à l'arrache. L'autre va gueuler. On s'en fout parce que ça va ruiner sa routine. Ceci dit, j'ai failli me faire avoir. C'est des punaises que j'ai oubliées, mais sérieux. Oh là là. Je suis vraiment idiot des fois. J'oublie des choses basiques. Il faut revenir aux bases essentielles, les amis. Donc ça, le miel là-dedans, c'est clairement ça. Les punaises, ça va être avec la chaise. Je sais pas pourquoi je m'embête avec la chaise. Punaise avec la chaise. La clé, ça va être pour. Ah ouais, je crois que je me suis fait avoir. Parce qu'attendez, la clé, ça va être à tous les coups pour fermer la pharmacie. Et quel est l'intérêt de fermer une pharmacie? Ah bah attendez, sauf si je descends et que je ferme maintenant, ça peut encore se faire. Là, j'ai ruiné sa routine, ce qui fait qu'il va descendre là. Il va remonter, il va perdre masse de temps. Attendez, la terre fine, c'est ça à quoi par contre? Cette terre est si fine que l'on pourrait prendre pour du café moulu. Ok, bon là, il nous donne carrément la solution. Et ça, c'est quoi? Désherbant. Ah, mais il a une plante là-haut qu'il. Ouais, il faut que je retourne en haut du coup. Et ouais, c'est sa plante. Donc là, il va descendre. Voilà, en fait, il a pris l'arrosoir en haut pour aller arroser sa plante ici. Du coup, cet arrosoir, va falloir que j'y mette du désherbant. Non, mais attendez. Oh là 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 là. J'ai failli me faire avoir très très bêtement. Et ouais, parce que maintenant il ramène l'arrosoir là-haut. Je suis à 8%. Minutes. Mais j'ai joué quoi comme tour là? Genre, il a toujours pas utilisé sa crème à bronzer. En fait, j'ai carrément ruiné son truc. Ça se passe comment là? Genre, sa routine, je crois qu'avec. Avec toutes les fois où je me suis fait choper, j'ai l'impression que j'ai un peu ruiné tout ce qu'il devait faire. Donc. Ok, bon, maintenant je peux me dépêcher. Là, il va se laver les dents. Avec le vieux truc là. Mais lol. Quelle belle dent! Et donc les punaises, c'était bien ici. Donc maintenant, j'ai plus qu'à me planquer. Mais c'est bizarre parce que trois trucs. Là, j'ai deux tours. Je pense que la crème solaire, il est toujours pas utilisé puisqu'il y a toujours la ruche là-haut. Trois tours.
1, 2, 3. Ben si, pourtant. Et la pharmacie, je lui avais fermé, c'est ça? J'ai pas suivi les tours qu'il a débloqués ou pas, en fait. C'est ça le problème. C'est que je sais plus où est-ce qu'il en est. Dans tous les cas, je crois que j'ai tout joué. Donc le café, maintenant, il a l'air d'être bon. En soi, il reste 3 tours. Bah, si la crème solaire, je l'ai déjà joué. Il est toujours marqué crème à bronzer sucrée, hein, ceci dit. Mais s'il a déjà déclenché, c'est peut-être ici la pharmacie qui a pas. Qui a pas été ouf. Voilà, l'icepick. 4 sur 6. Ça va être chaud en 2 minutes là avec la routine qu'il a. L'arrosoir. Et donc, il y a bel et bien un souci, quoi. C'est-à-dire que là, je vais être à 60%. En fait, il y a un piège qui n'aura pas été déclenché, quoi. Ah, ça fait 20%, 71, nice. Je vais redescendre ici quand même, je vais aller voir. Là il y a marqué que je peux ouvrir. Ah mais c'est parce qu'en fait il fallait que j'ouvre la pharmacie, c'est-à-dire que j'avais la clé pour l'ouvrir en fait. J'avais mal interprété celui-là je crois. Je crois que c'est juste ça. C'est juste ça, oh là là. Et du coup c'est pourquoi faire. Ah ben non. Et je l'ouvre, il n'y a rien. Non, bah là vous voyez je vois pas trop. Parce que je pensais que l'idée c'était de lui fermer la pharmacie et genre que... Soit les piques quand il allait être piqué, soit avec les, la ruche, du coup, qui allait lui venir dessus. Je me suis dit, ça va. Ah, c'est, j'ai compris. C'est la ruche qui a pas été jouée comme tour. Et j'ai compris pourquoi. C'était le c'était l'aide qu'il y avait au début en plus. En fait, il n'utilise pas cette crème solaire. Parce qu'il est à l'ombre. C'est ce qu'ils ont dit. S'il est à l'ombre, il va pas l'utiliser. En fait, pour qu'il utilise cette crème solaire et que la ruche lui vienne dessus, il faut lui enlever le parasol. Bah, c'est sûr que c'est ça, en fait. Mais c'est mort. C'est mort parce que là, il va remonter de suite, j'ai plus le temps. Ah là là. Mais c'est sûr que c'est ça. J'ai juste oublié de lui enlever le parasol, en fait. J'ai pas capté. Et c'est pour ça qu'au début, ils disent, bah ouais, si t'es à l'ombre, tu n'utilises pas de crème solaire. Du coup, la crème solaire trafiquée, ça sert à rien. Et ouais. Et ouais, ouais. Je vais quand même y aller dans les 20 secondes pour le trafiquer, mais il aura pas le temps d'y aller, quoi, dans sa routine, c'est mort. Il reste plus que 19 secondes. Donc, j'allais dire, faut espérer que l'audimat soit bon, mais si je me souviens bien, c'était 75% qui me demandait. Et voilà. Et voilà, voilà. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Non, remarque, est-ce que c'est passé? Il me fallait... Ah non, il me fallait 65. Ah bah c'est bon alors. Bon, du coup, on va juste passer au suivant, parce que je considère que c'est bon, là. Moi, je considère qu'il est bon. Suivant, 7 minutes encore. 70% d'audimat. Si le voisin dort, faufilez-vous pour ne pas le réveiller. Ok, genre comme les chiens et tout ça, en fait. Comme le piaf et tout, qu'il faut pas réveiller. Ok. Donc, ça veut dire qu'il veut faire une petite sieste, le voisin. Alors, première vue, pas de nouvelle pièce en haut. En bas, il y a un cochon. Qu'est-ce qu'il fout là, ce cochon? Alors, on a masse de trucs. Ok, le truc, il dort direct. Le truc, je parle du voisin, là. Bon, le cochon ne fait pas de bruit. Enfin, genre, il avertit pas quand... quand je passe à côté en mode gros bourrin. En haut, on a toujours le perroquet. Perroquet bien relou. Du coup, là, il va falloir que j'ai discretos. Oh mais lol. Là, je suis mal. J'ai fait exprès d'alerter là en fait. Hein. C'était vraiment pour passer vite parce que si j'y allais doucement, j'ai peur de me faire choper. Donc là, on a une bouteille de lait qui va. Il va l'utiliser pour quoi? Il va l'utiliser pour le cochon? Oh oh oh, non, ça va. Pourquoi lui utiliser une bouteille de lait comme ça avec une tétine? Je suis sûr, c'est pour le cochon ça. Ça c'est sûr c'est le cochon. Ok, donc là on a ça. On a mangé. Alors 7 tours. 1, 2, 3, 4.
On est à 4. J'ai deux trucs à choper à gauche. Oh oh. Hop. En haut, j'ai des trucs aussi à choper. Bah, let's go. Allez, voilà, là, il va descendre, nickel. Comment ça? Hein? Tu peux pas les récupérer, ça? Il y a une petite main, ça veut dire que t'es censé pouvoir le prendre, ça. Ah, là, j'ai chopé un truc là-bas, en tout. Ok, donc là, il y a des trucs à prendre encore. C'est quoi? Ah, c'est le lit, ok. Ah oui, donc en fait, je peux pas aller sous le lit là. J'ai même pas fait gaffe à toute sa routine. du coup, s'il vient là, sur la terrasse, je suis fini, hein. Elle était où cette clé? Elle était pas sur la terrasse, hein. Hein? Elle était pas sur la terrasse? Dis-moi, non, non, c'est à droite là, je le vois. Ah mais c'est ça qui met... Ah d'accord. Ah ils sont entiers là-dedans. Alors attendez, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux lui faire 6 trucs. C'est tout. Il manque un piège là. Oh les clés! Je vais lui récupérer les clés. Alors là, je suis carrément mort, quoi. Du coup, j'ai un truc qui explose si jamais c'est secoué. J'ai le cactus, chips mexicaines et la clé. La clé, je vais pouvoir ouvrir carrément au cochon, je pense. Ok, bon, de toute façon, je vais le rejouer. Je me suis fait avoir, je me suis fait avoir, c'est pas grave. Le niveau a pas l'air évident, quand même. Mais j'avais à peu près tous les pièges, à mon avis. C'est vrai que là, il n'y a rien. Je me souviens plus où est-ce qu'il y avait des choses. Non, là, il n'y avait rien, je crois. Ah, il y avait rien. Voilà. Un, deux. Attends, c'est tout. J'ai que deux trucs, là. Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qui manque? Ça, après là-haut, il y a un truc. 4. Là, on est d'accord qu'il n'y avait rien ici. Le paquet de chips mexicain. Mais si, j'ai dû avoir un truc alors tout à l'heure. J'ai dû appuyer deux fois en fait. J'ai dû avoir un truc là. Et ouais, voilà, parce que je les avais eu en fait. Ok, c'est ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est bon. 5, c'est joli. 5, c'est joli. 5, c'est joli. 6 avec la clé. Et 7 avec le cactus. Donc j'ai tout. J'ai tous les objets qu'il me faut. Donc il faut vraiment que je regarde ce qu'il fait. Le lait. Le lait. Le lait, il doit le secouer. Il doit le secouer, le lait, c'est sûr. Donc à mon avis. La nitro, c'est pour le lait. La nitro, c'est pour le lait. Le cactus, par contre, j'ai pas fait gaffe. Pourquoi il en aurait besoin? Le cactus. Ne pas attraper ça, ça vous piquerait. Genre, à la place du dentier. Ça me paraît un peu abusé. Non, en plus, il y a déjà la sauce piquante, non? Avec le dentier, ça avait marché. Oh, peut-être pas de suite. Si, c'est bon. Et le lait, il était où? Il est à droite.
Jusque là j'ai bon. Là sa clé en plus il va la chercher, il va pas la trouver. Du coup on va lui ouvrir. Le truc qui se balade. Après le truc c'est sur une chaise, ok. Là j'ai un petit problème, mais punaise, ce sera avec le lit peut-être. Ouais. Le cactus c'est avec quoi du coup? Ah avec ça peut-être. Et ouais le réveil, puisqu'il inverse avec le réveil, ok. Ok ok, et les chips mexicaines. Est-ce que c'était là? Est-ce qu'il les mange ça? J'ai pas trop fait gaffe en fait. Je vais faire exprès de faire du bruit pour qu'ils viennent là. Oh, j'ai fait me faire jouer game. Allez, allez, faut que j'ai le temps de faire ça. Est-ce que ça marche? C'est ça. J'ai même pas fait gaffe en fait dans sa routine quand il le faisait, mais bon, c'est cool. J'ai pas fait gaffe à toute sa routine en fait à ce niveau-là. Allez, ben normalement j'ai tout fait, donc il y a juste à attendre et je devrais avoir tous les points. Enfin, pas tous les points, mais en tout cas suffisamment pour valider le niveau. Alors attendez. Ah oui, en fait, c'est les fils au perroquet, ça, d'accord. Ah oui, il va cracher du feu, le pauvre. Hein. Ouais, voilà. Ah, oh, le pauvre perroquet, quoi. Genre, le mec, rien à carrer du voisin, mais par contre, le perroquet. Ah non, mais regardez le réveil avec le cactus dessus, ça va, il est pas trop grillé, quoi. Plus les punaises, regardez les punaises qui dépassent du lit. C'est même plus des punaises, hein, c'est des grosses piques et tout, c'est n'importe quoi. Ça, ça fait pas du bien pour dormir. Hein. Bah regardez, j'ai déjà assez d'audimat pour passer au suivant. Et donc là, le réveil. Le réveil. Bon, t'arrêtes de dormir là. J'avais pas vu, il y a un cadenas aussi à gauche. Il va y avoir une nouvelle pièce aussi à gauche là, je pense. Et une en bas, puisqu'il y a le cadenas en bas aussi. Il y aura le sous-sol et une autre pièce ici. Et voilà, c'est la win. 94%, ça reste très raisonnable, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pas mal, c'est ce qu'ils me disent. Bah toujours le prix de bronze, ils sont sérieux. Et donc on arrive à la saison 3, mes chers amis. Donc là je vois que la vidéo on est déjà à quasiment 40 minutes, enfin même plus que 40 minutes, du coup ça va être assez tendu au montage si je continue. Donc on va s'arrêter ici, j'espère que cet épisode vous aura plu. Rassurez-vous du coup, je compte vous faire la petite saison 3, ce serait bête de s'arrêter à la saison 2 en fait alors qu'il reste plus que 4 épisodes et que ça va être les plus intéressants je pense puisque ce sera là où la maison sera la plus grande. Donc vraiment on va se faire la saison 3, rassurez-vous d'ailleurs si vous voulez, hop je vous la mets en fond histoire de voir, alors je fais pas l'épisode mais je vous le mets en fond histoire que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça va ressembler aussi la maison, la routine et tout ça. Et une fois qu'on aura fini cette saison 3, je pense que je m'attaquerai, je vous dis, à Un voisin d'enfer 2 puisque c'est en vacances donc ça change totalement. Il était sorti après, donc je me souviens plus trop. Et peut-être que voilà, il y avait des petites subtilités assez intéressantes aussi. Donc vraiment, je pense qu'Un voisin d'enfer 2 aussi en vacances peut changer et être quand même intéressant à jouer et à regarder aussi. Du coup, juste comme ça, regardez, donc c'est ce que je disais. Ici à gauche, il y a une nouvelle salle. Ah ben voilà, c'est un gamer finalement. Il fallait le dire. Et du coup, donc on a tout ça, ça, ça n'a pas changé. Et là, on a le sous-sol. Et le sous-sol qui a l'air assez dangereux avec la flaque et tout, le fusil. Ici, on a un trou à rats. Waouh, il y a masse de trucs. Il y a vraiment masse de trucs. Du coup, là, les routines, je pense que ça va être assez tendu. Ah, j'avais pas vu ici aussi. Franchement, je pense que là, ça va devenir un peu compliqué cette saison-là. Mais bon, on verra ça au prochain épisode. Allez, à très bientôt tout le monde.